Nous avons ici à ne pas prendre tout l'argent. Et nous disons tout le monde qui attend de moi, côté gouvernement, côté bourgeois, côté classe moyenne, nous avons un territoire de grand corps dans le monde. Vous venez ici pour la première fois, même là où tu es converti, vous venez ici pour la première fois, nous parlons de corps dans le monde. L'évangile pour tendre. L'évangile n'est pas synonyme de corps. Je me souviens d'un jeune garçon dans Téléco, qui était à l'époque Téléco, dans la veille de nuit en bas, converti. Je crois que c'est Wounia, je me dis ça l'absence, madame Rémi, qui était évangélisé. Il vient dans la veille de nuit, etc. Et puis, pendant la veille de nuit, à peine une semaine, il est converti, il vient dans la veille de nuit. Je vais prendre son petit corps pour me faire un bail, pour me faire un l'évangile. Il est en train de lever maintenant, il dit la baille 1000 dollars. Je dis non, mon cher. Ou fait convertir, baka, 1000 dollars, baka, gata tombe dans même. Nous dit l'évangile, moi, pour traverser, oh. Il va dire, nous dit l'évangile, moi, pour traverser, oh. L'évangile, moi, pour chita en dedans, pour 1000 dollars, ou gata chita dans même. Nous dit, non, j'ai qu'un bel toujours. Faut moi, route l'évangile, la faveur. Nous dit, après, si le possible, ma prend 1000 dollars, là. Et là, il y a des provisions. Pas qu'à faire l'évangile, non? M'attendre de l'église. Pasteur Amel dit des provisions. Pas qu'à faire l'évangile. Ou à qu'on ramasse les collègues. Mais monsieur, on y a avec frère Limita comme mon témoin, c'est vous-même qui êtes évangélisé. Mais après un homme de temps, nous parlons, monsieur. Cherchez-le, l'homme si croise avec elle, me croise avec elle un dimanche matin, me sort d'église, machine chargée, femme la donne. Me dit, monsieur, dimanche matin, quand on sort là? Je dis, pasteur. Me dit, heureusement, comme vous parlez même. Donc, on vous dit, oui. L'homme, on ne fait pas pour pasteur qui a plongé là, mais pas dit. Quand tu as eu un héros, il y a eu un héros, même si tu as eu un verset, tu as eu un peu d'accord. Je vais prêcher l'évangile dans le pays pour nous quitter vicié. C'est pour nous convertir. Il y a une jeune dame, une jeune soeur, une jeune garçon, un monsieur marié, un intellectuel, un ingénieur, un avocat, un médecin, des hommes de valeur dans le pays, des bourgeois, des politiciens qui ont besoin de l'évangile sérieux. Il y a des côtés qui ont un calotte, mais ils besoin pour l'évangile qui pour réparer. Avec nous, on va parler, oui. On a besoin pour l'évangile qui pour réparer. Il y a des mains où tu es coué dans le lit, où tu es vivre avec elle. Il y a des gens qui ont un sabbat, et bien, où ils ont appuyé sur Jésus. Et pas arrêter par elle, qu'on a pour que tu aies fouillé bouche. Alors, oui, Jésus n'a pas parlé de publicain, parce qu'il déjà connaît les vicieux. Je ne sais pas clair. Nous connaissons publicain et vicieux. Alors, vicieux est français. Oui. Vous avez dit des fois, il faut parler du français à tout pour dire vicieux. Dans Job 11, verset 11, il dit l'Éternel connaît les vicieux. Il faut prononcer bien, oui. On prend sans prononcer, oui. Les vicieux. Et il voit facilement les coupables. Pour prononcer mieux, parce que mon capitaine dit nous la compte prononcer français. Pour le temps de PLEA. Les coupables, pas des coupables. Les coupables. Amen. Oui. Donc, en quelque sorte, si nous n'avons pas les bons créoles, nous avons des piagés, volés, grands mangés, sans si,
escomontait. Déchets pierres. Papa tout d'un coup. Kidnappé. A écrit la croix à lui. Est-ce que tu l'as avec moi? Oui, les amis téléspectateurs, Joël là, il pense à l'évangile là. Voici un doigt gagné dans le cachot. Béni mon Dieu, du fait que le Seigneur épargne mon bagage en volant. Et jusqu'à présent, il prie, m'a prié pour j'aime volant à pas développer en dedans. Parce qu'on doit bon mon matin, pita, ou tomber dans le volant. Mati m'a pas ça? Mais je ne suis pas prié pour elle. Il n'y a pas de bon monde qui te gagne. Je t'ai commencé bien. Oui. Et puis je viens tomber dans le volant. Je ne suis pas clair. Donc, mais je mal découvre moi, Jésus met l'accent sur deux groupes de monde. Jusqu'à toi. Mais je dis deux groupes de monde. Les pharisiens et les. M'attendez. Non, m'attendez, dis-moi. Non. Il mettait accent sur les pharisiens et les sadducéens. T'as une sorte d'où d'aller un scribe là fait partie du pharisien. Ah, ben, un bon bail. Scribe, docteur de la loi, tout ça fait partie de. D'ailleurs, pour son scribe, faut sortir d'un pharisien. Pour son docteur de la loi, faut sortir d'un sec pharisien. Il y aurait les pharisiens, des légalistes, des hommes qui ont mis l'accent sous la loi. Des légalistes. Il y aurait des pharisiens, des gardiens de la loi. Quand il a parlé, il pourra parler dans le monde évangélique, on ne peut pas parler de théologiens. Nous regardons qu'ils sont théologiens, mais depuis que nous sommes théologiens, ils sont pharisiens. Ils sont gardiens de la loi, théologiens, leur étudier, leur monde qui étudie théologie, bon Dieu. Ou un monde qui fait étude sur bon Dieu. Ou un monde qui fait étude de Dieu. Mais, pas semblé qu'un théologien dans le pays. Et si t'as une théologie vraie, semble le balancer. Parce que le pays d'Haïti, de moi, ils ont pas bon. Il y a des gens qui accèdent à poste dans le pays d'Haïti. Ils sont déceptionnés pour nous. En nous entendant, nous sont déceptionnés pour nous. Ça montre que nous pas rien même. Nous pas crédibles. Nous pas faire nous confiance. Et au guérison. Vous connaissez des hommes à la Bible qui pitient par son païen. Et ça fait que, peut-être qu'il fait, collègue moi, yo, mon cri de pasteur, même j'avais tout, yo ka fâché. Mais là, avec Biban, mais premier exemple, yo pour baïli, soit avec Biban, mais on pas baï exemple. Premier méchant, c'est yo, oui. Par contre, je suis d'accord, pasteur.
Donc Jésus te met des accents sous pharisien. Pourquoi ça met accent sous pharisien avec ça du Seigneur? Ces hommes-là, ils ont dit qu'ils ont gagné la loi. Ils ont gagné la loi. Mais c'est ça? Non, mais. Comment est-ce qu'on va suivre là? Comment est-ce qu'on va suivre? Pour nous suivre. Ils ont gagné la loi dans mes. Tandis que les Jésus a regardé ce qui est écrit dans la loi avec ça et à faire, c'est deux bagages différents. Bon, mais ça fait Jésus mourir, attendez. Jésus mourir pour ça. Monsieur, monsieur pasteur, monsieur prêtre, monsieur seigneur, monsieur qui en a payé là. Moi, ouais, dans la Bible, ça n'est que vous avez fait avec sa Bible, dit, c'est deux bagages différents. Et une nuit après la journée, Jésus a entendu, je suis prêt pour mourir. Je suis vivre, je suis prêt pour mourir. Et c'est pour ça, pharisiens, vexés, ils ont grincé dans eux, ils ont dit, non, ça a volé le monde. Pour dire qui ça? Parce que Jésus a dénoncé Zévio. Alléluia. Et dans Jean 3, verset 13, Jésus dit, ça fait lumière, vous parlez où elle est, et parce que Zévio n'est pas bon. Comment on t'a pasteur, m'a pas connu nom, m'a pas connu caillou, m'a pas connu madame, m'a pas connu petit ou même l'église, m'a pas connu. Et puis pour parler ou même. Qui problème même qui va parler ou même? Ça, yon m'a dit là? Tandis que, m'a ramasser offrande, m'a ramasser toute offrande, m'a empêcher nous ramasser offrande. Les moi fidèlement, moi fidèlement à visiter notre église. Me dit à la toute offrande. Et pas ça me dit ça. Et me dit là au rivé si on est l'église là, je senti au bien tout été. Mes amis, qui ça me fait encore pour m'aider nous? Si n'a pas fait l'évangile, mon pile pasteur dans Delma là, yo parlé fidèle, yo cité non pasteur à elle-même. Prochainement, m'a venu avec non yo. À nous mettre en jeu, non? Non, pays, il y a eu pas de monde. Philippe, il a fidèle la ville côté. Bon, veille de nuit en ouvri. Là. Pour mon venir dans l'évangile, venir ramasser mon Dieu, venir ramasser grâce. Venir boire cantique, venir apprendre chanter, venir apprendre mener combat pour faire route l'évangile. C'est nos temps de combat, nous. C'est notre temps côté monde, côté la foi, mon n'a pas abandonné la foi. Il faut que les gens qui ont construit la foi. Je vais attendre de l'église. Je vais aller, je vais venir de moi. Je ne vais pas venir. Je vais faire ma ronage. Pendant ce temps, moi, ça me comprend. Je vais dire. Amen. Jésus te dit, malheur à vous. Ok. Dans verset 7 de bien haut, nous disons, ah ouais, ça aurait les scribes et pharisiens. Pas ça? Ça, du Seigneur, au Kembe la loi, là, mais pour faire philosophie, pour détourner le monde de l'avenir. Pharisiens, au Kembe la loi, là, mais pour craponner le monde, décourager le monde. Lorsque nous avons pharisiens, fais ça, fais ça, fais ça.
Et puis il dit même manger le pas manger. Ça passe où? Ou avoir encouragement pour servir mon Dieu. Vous avez ou pas qu'un modèle. Ah ben, c'est ça que fait dans le temps ça là. Les gars tout vini, levez main, servir mon Dieu, en jeûne. Et pendant tout, on a jeûné là, et bien il passe derrière. Il plein ventre avec malta à l'aide, avec spaghetti, avec V8. Il paraît à 11 dans le jeûne pour bien aimé. La paix bon Dieu avant. Et puis il dit peuple à jeûne, jeûne, jeûne. Ça cap caponné. Il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et qui ça encore? Mais comment on dit? Faites donc, Jésus dit. Là où ils sont assis dans la chair de Moïse, avait dit Yoshita sous la loi de Moïse. D'accord? Et puis Jésus dit à foule là, il dit faites donc. On a dit non.